فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. لقد نواصل بعون الله تعالى دروسنا في شرح كتاب الأدب المفرد للشيخ الفاضل محمد رسلان حفظه الله تعالى، وزلنا في باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به. والحديث عن عائشة رضي الله عنها، من عنده كتاب كتاب الذي قبل سيدي حركتك خلاص ان شاء الله. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. نو سي با سيلا سي با سيلا. حديث 338. Donc tu cherches là. Iwan, crache là. Iwan. Imran. Imran, 338. Tu l'as ou tu l'as pas? قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي يونس مولى عائشة أن عائشة قالت استأذن رجل عسى رسول الله صلى على رسول الله استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ابن العشيرة. فلما دخل هش له وانبسط إليه، فلما خرج الرجل استأذن آخر قال نعم ابن العشيرة. فلما دخل لم ينبسط إليه كمن بسط إلى الآخر، ولم يهش إليه كما هش للآخر. فلما خرج قلت يا رسول الله، قلت فلان ما قلت لفلان ثم هششت إليه، وقلت للفلان ما قلت، ولم أرك صنعت مثله. قال يا عائشة، إن من شر الناس من اتقيا لفحشة من التقيا من التقيا لل ما
le chapitre intitulé celui donc qui fait les éloges de son ami ou de son camarade à condition qu'il soit à l'abri. Donc, le hadith 338, il dit Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, comme quoi Aïcha radiallahu anha a dit: un homme a demandé la permission d'entrer chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et avant qu'il entre, il dit le messager d'Allah alayhi wa sallam, il dit: quelle mauvaise personne que celle-là. Quelle mauvaise personne que celle-là, qui est issue de telle ou telle tribu. Puis lorsque cet homme il entra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'accueillit avec un visage radieux, avec un beau visage, avec un visage avenant, souriant. Puis lorsque cet homme l'a sorti, un second demanda l'autorisation d'entrer. Et là le prophète de dire alayhi salam, avant qu'il n'entre: quelle bonne personne que celle-là, qui est issue de telle ou telle tribu. Et lorsqu'il entra, eh bien il n'eut pas la même attitude que pour le premier. Il a été peut-être moins joyeux, moins expressif dans son visage. Jayid. Et lorsqu'il sortit, le second, elle dit à Aïcha: ô messager d'Allah, tu as dit au premier ce que tu as dit avec un visage radieux, avenant, et tu as dit au second ce que tu as dit, mais je ne t'ai pas vu faire ce que tu as fait avec le premier. Et là, le prophète de dire, alayhi salam, ô Aïcha, fait partie des pires des gens, des pires personnes, ceux avec lesquels on est obligé de se préserver de leur mal. En ayant une certaine attitude avec eux. Et on avait dit que il y a une partie de ce hadith qui est daif, qui est faible. C'est laquelle partie qui est faible? Iwan? C'est-à-dire? Quel moment? Quel événement? Bilal. C'est lorsqu'il disait quel bon homme, quelle bonne personne. Voilà. C'est... ce qui concerne le second. Voilà, la seconde personne, tout ce qui la concerne, Annie, c'est daif. Mais tout ce qui concerne le premier qui est entré et la fin, donc la phrase, la réponse qu'il lui a donnée, le prophète, cette phrase-là, elle est authentique. D'accord ? Elle est authentique. Oh, Aïcha fait partie des pires personnes, celles avec qui on est obligé de se préserver de leur mal, ou de leur mauvais comportement, ou de leur défaut. C'est bon, Ikhwan ? Waouh ! Idan, قال الشيخ يؤخذ من هذا الحديث أولا جواز المدارة. جواز المدارة. Nous tirons de ce hadith l'autorisation de ce qu'on appelle d'adopter une attitude que l'on appelle Al-Mudarat. Qui nous rappelle c'est quoi Al-Mudarat, Nourdine? Ça va être le fait d'être gentil avec cette personne, tomber un petit peu hypocrite, malgré en fait qu'on parle d'elle en mal derrière elle. Devant, on va afficher un grand sourire, qu'on puisse être préservé de son mal, ou bien la préserver elle-même du mal, ou encore qu'elle puisse accepter la vérité. Non. C'est ça. Donc, après le terme hypocrite, Yanni, c'est pas correct en vérité, parce que, et on va expliquer tout à l'heure, Inch'Allah Ta'ala, l'hypocrisie, c'est d'adopter une attitude qui n'est pas conforme à ce que tu penses de la personne, certes, mais sans avoir un objectif qui est noble. Au contraire, c'est pour nuire à la personne. C'est un hypocrite. Un hypocrite, il ne dit pas ce qu'il pense, il agit d'une manière différente de ce qu'il pense, mais c'est pour faire du mal en plus. C'est pour faire du mal. Alors que le modèle, celui qui est preuve de modarat, il ne veut pas du mal à la personne, mais au contraire, il lui veut du bien. C'est pour ça qu'il fait ça. Donc on voit que l'intention change la donne, d'accord ? Celui qui a une mauvaise intention, elle a mon affaire. Oui, c'est un hypocrite. Parce que lui, il veut du mal. Il ne veut pas aider la personne, il veut l'enfoncer encore plus dans son,
dans son égarement ou dans son mensonge. Alors que celui qui fait preuve de mudarat, d'une politesse, et un exprès et sage, c'est dans quel but? On a dit c'est dans le but de réformer la personne, d'être une cause, inch'Allah ta'ala, de sa guidance, ou qu'elle revienne du faux dans lequel elle se trouve. Est-ce qu'on peut dire que c'est la dissimulation? On dissimule? Non, même pas. C'est une forme de politesse. C'est une politesse courtoise et sage. La de mudarat. J'ai On reste du coup sur le terme être gentil avec la personne. Oh, gentil, poli, d'accord, adopter une bonne attitude. Mais ce n'est pas l'hypocrisie. L'hypocrisie, encore une fois, c'est négatif en fait. C'est tout le temps négatif, l'hypocrisie. Alors que là, en fait, c'est positif. L'attitude que tu as envers la personne, c'est une maslaha, c'est une réforme pour la personne, subhanallah. Jayid. Thani, jawaz takrim ma khafat ash-shar ar-rajul. واتقاء لفحشه ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالى. Deuxièmement, nous tirons de ce hadith qu'il est permis d'honorer une personne pour se préserver de son mal. Tu peux honorer le fait d'accueillir une personne comme il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec un sourire, avec un visage radieux, avec un bon comportement, et ainsi de suite. Il ne fait aucun doute que c'est une forme d'honorification. Tu fais honneur à la personne en faisant ça. D'accord? Donc tu as le droit de faire ça, d'honorer la personne pour te préserver. Et parce que tu redoutes qu'elle te fasse du mal. Que tu redoutes qu'elle te fasse du mal. Ou à toi, ou aux musulmans, ou à tes proches, ou aux gens de manière générale. Jaïd, tant que cela, bien sûr, tant que cela ne te fasse pas adopter une autre attitude qui est elle interdite, qui est elle mudahana. Qui est elle mudahana? C'est quoi elle mudahana? C'est quand on va dans le sens de la personne, quitte à perdre des valeurs de la religion, à fermer les yeux et aller dans son sens, et quitte à perdre des principes du dé. Non. Et l'objectif, c'est quoi quand tu fais ça? Il est mauvais parce que. En général, les gens qui font ça, pourquoi ils font ça? Des biens mondains. Eh oui, pour des objectifs de la dunya. Pour avoir des sous, pour avoir de l'argent, pour avoir une proximité avec des gens haut placés, par exemple, avec des dignitaires, pour avoir un travail, une fonction. De la yajouz. C'est comme ils font certains prédicateurs en ligne, vont dire de fausses choses pour aller dans le sens des autres ou pas? Bien sûr. C'est ça, le mudahana, mu'asharat al-fasiq, mu'ashara al-kafir, mu'ashara al-mubtadi', wa yani idhar rida bima huwa fihi min ghayr inkari, min ghayr inkari alayhi li gharad dunyawi. Ils ont dit certains savants, ils ont dit le mudahana, c'est le fait de se comporter avec, que ce soit quelqu'un qui est perverti, ou un kafir, ou un innovateur, ou un désobéissant, ou un ennemi d'Allah, de se comporter avec lui, de le traiter, en montrant que tu es d'accord avec lui, que tu es d'accord avec ce qu'il fait. Jayid ? Non. En montrant que tu es d'accord avec le faux dans lequel il est. C'est comme si tu valides sa croyance, ou tu valides son égarement, ou tu valides sa bid'a, son innovation, ou tu valides son kufr. C'est ça le mudahana. Donc tu vas délaisser ta religion et tu vas montrer le fait que tu es en accord avec lui dans ce qu'il fait. Et bien sûr, donc si tu fais ça, forcément tu ne vas pas réfuter et tu ne vas pas condamner ce qu'il fait. Tu ne vas pas dire non, ce que tu fais c'est faux, ce que tu fais c'est mal, ce que tu fais Allah il n'aime pas, ce que tu fais c'est contraire à la sunnah, c'est contraire à la charia. Donc tu ne vas pas lui dire ça. Et pourquoi en plus tu fais ça? Pour un intérêt de la dunya, pour un intérêt dunya, oui. De l'argent, pour te marier avec sa fille, pour te marier, pour qu'il te fasse profiter un peu de ses contacts. La Rodebillah. On ne vend pas sa religion. Donc bien faire la différence entre le mudahana et le mudarat. Donc le mudarat,
tu peux adopter un visage, un comportement, un sourire, etc. Taïeb. Mais lorsqu'il faut montrer ton désaccord, tu dois montrer ton désaccord. Et dire à la personne, non, mais attention, je suis gentil avec toi, tu vois que, alhamdoulilah, parce que je te veux du bien, attention, ce que tu as dit la dernière fois, fait le khutbah, ou fait le mimbar, ou pendant la danse, là, c'est faux. C'est, moi, je ne suis pas avec toi dans ça. Là, c'est faux. Moi, je. Le sunnah, on n'est pas d'accord avec ça. Le sunnah wa jama'a, on affirme pour Allah les noms, les attributs. Allah, il te kallam, Allah, il parle. Donc, quand tu dis qu'Allah, il ne parle pas, je ne suis pas d'accord avec toi. Ne crois pas parce que je te fais un sourire que je valide ce que tu dis. Non, au contraire. Je te veux du bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je te le dis, parce que je te veux du bien. Il faut bien faire la différence entre les deux. Parce que t'en as, ils vont faire ça et ils vont faire croire à la personne qu'elle est d'accord avec elle. Elle est d'accord. Donc elle va marcher avec, elle va jouer au foot avec, elle va boire le café avec, elle va traîner avec. Elle va jamais lui dire, en fait, jamais elle va lui dire le faux sur lequel elle est. Là, le boudin, ça c'est. Ça sert à rien ça. Donc, et vous remarquerez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a eu cette attitude-là avec cette personne, à aucun moment il a fait ses éloges. Quand il était devant lui, à aucun moment il lui a dit « Ouais, t'es une belle personne, machallah, t'as un bon comportement, t'es une personne bien, t'as beaucoup de qualité. » Jamais il lui a dit ça. Il a juste accueilli avec un sourire, c'est tout. Sourire, assieds-toi, on parle, et khlas, salam alaikum. Et si jamais ils étaient venus à en discuter, peut-être de certains de ses défauts, il lui aurait dit. Il aurait été honnête avec lui. Dans le mudaharat, il y a le fait de simplement se prémunir de son mal sans avoir l'intention de la réformer. Ça peut, oui, c'est possible, là. C'est possible pour te protéger de son mal. Sans mais encore une fois, le but, c'est pas de lui faire du mal. Non, juste avoir le bon comportement. Un bon comportement afin de préserver la mosquée ou préserver les musulmans, préserver à toi de son mal. ثالثا جواز غيبة الرجل الذي فحشه وفسقه معروفان لدى الناس. Troisièmement, le fait qu'il est permis de faire de la riba, de la médisance, il est permis de parler sur quelqu'un qui n'est pas là, qui n'est pas présent, en mal en plus. En le critiquant, dont le mal et dont la perversion est connue auprès des gens. Quelqu'un qui s'expose et qui fait le haram devant en public, ça veut dire qu'il s'en cache pas. Quelqu'un qui fait le haram sur les réseaux sociaux, tu vas pas le cacher, toi, il s'expose. D'accord ? Donc lui, tu as le droit de parler sur lui, comme il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a parlé sur cet homme, si son mal, il est connu. Les gens savent comment il est. Les gens savent que c'est quelqu'un qui fait des choses haram, ou qui fait des choses avec les filles, ou qui sort dans les boîtes de nuit, ou qui boit de l'alcool, ou qui fume, ou qui se drogue, ou qui fait de la musique, qui fait du rap, etc. Toi, tu vas pas le... Lui, il s'en cache pas, pourquoi tu vas le cacher, quoi. Donc, tu as le droit de parler sur lui. Comme on a dit, si son mal, il est connu. Arabien. La maslaha, c'est une autre condition. Bien sûr, il faut qu'il y ait maslaha. Tu ne le fais pas pour assouvir tes passions. À chaque fois, il y a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait sur quelqu'un en son absence, c'est qu'il y avait une maslaha. Toujours une maslaha, toujours. S'il n'y a pas de maslaha, ça ne sert à rien. Tu t'étais. Arabien, al-hadith, min a'lam al-nubuwa de nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لأنه ظهر كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ارتد مع مرتدين وجاء به أسيرا إلى الصديق رضي الله عنه. طيب. Et quatrièmement, dans ce hadith, on voit l'un des signes de la prophétie du prophète صلى الله عليه وسلم, car l'homme dont il a parlé et qu'il a critiqué était rapporté qu'il a apostasé de l'islam. Qu'il est sorti de l'islam après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ait dit cela à Aïcha radiallahu anha. Donc le prophète il ne parle pas sous l'effet des passions. Il ne va pas critiquer quelqu'un si la personne ne le mérite pas. D'accord.
D'accord? Donc elle a été rapportée qu'il a apostasié et qu'il a été même fait prisonnier et amené à l'époque de Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu. هذه المسألة مهمة جدا وعلينا أن نفرق بين المدارات والمداهنات والنفاق كذلك بين المدارات بين المداهنة وبين النفاق لأن كثير من الناس لم يفرقوا بين ذاك وذاك بين الحق والباطل وبين المدارات والمداهنة وبين الإحسان والإساءة وبين الغيبة المباحة وبين الغيبة المحرمة جيد؟ فأولا إذا أطلق لفظ النفاق إذا أطلق لفظ النفاق فإنه يستوحي معاني الشر كلها يستوحي معاني الشر كلها ولم يكن النفاق يوما محمودا أبدا لم يكن النفاق يوما محمودا ولو من وجه ما ويعرفه علماء السلوك بأنه إظهار الخير لتوسل إلى الشر المضمر هذا هو النفاق النفاق هو إظهار الخير لتوسل عفوا إلى الشر المضمر فالمنافق لا يبتغي الخير المنافق لا يبتغي الخير ولا يبتغي مصلحة من المصالح أبدا وإنما يسعى للإضرار بالناس وخيانتهم وجلب الشر لهم ويتوسل إلى ذلك بإظهار الخير يظهر الخير والصلاح ويلبس لبوس الحب والمودة المسألة كما هي importante on va s'arrêter encore aujourd'hui dessus inshallah ta'ala parce que beaucoup de gens ont du mal en vérité à différencier entre المدارات ils mélangent tout مدارات مداهنة نفاق hypocrisie ils mélangent tout donc ils vont traiter peut-être quelqu'un d'hypocrite alors qu'il est en train de faire de la مدارات مصلحة derrière les gens ont lu c'est un hypocrite جيد ou alors quelqu'un il fait de la مدارات ils vont dire lui c'est un traître il est en train de parler avec des innovateurs il ne sait pas et les gens yani, vont peut-être même faire sortir les gens de la sunna en disant lui c'est pas un sunni il parle avec des moubtadi'a ah, c'est pas un sunni alors que peut-être miskin il est en train de faire le mudarat maslaha azima jayid ou quelqu'un il est en train de faire le mudahana et les gens vont dire ouais non t'inquiète laisse il est en train de faire da'wa il est en plein mudahana miskin il ne fait pas da'wa mais les gens ils disent il fait da'wa laisse lui il a le droit jayid ou quelqu'un simplement il est hypocrite et les gens croient qu'il fait du bien alors qu'il est totalement hypocrite munafiq. Donc il faut savoir toujours différencier, distinguer entre le vrai et le faux, entre le bien, entre le mal, entre la médisance qui est interdite et la médisance qui est permise. Ça aussi, il faut bien faire la différence. Entre le namima, donc le fait de colporter des paroles les uns aux autres pour semer le mal, pour semer le trouble, et le fait de partager des paroles, quand il y a une maslaha shar'iyya qui est permise. Pour protéger une mosquée, pour protéger un imam, pour protéger les musulmans, pour protéger les frères, pour protéger la da'wa, et tu as le droit de partager des propos sur quelqu'un et de les communiquer. Si bien sûr il y a une maslaha derrière. Et certains ne vont pas comprendre ça, ils vont dire non, c'est un namima. Tu es en train de faire de la namima ou de la riba. Alors que pas du tout. Et faire de la médisance, c'est un mauvais commerçant. Quelqu'un qui n'est pas dans les règles, on va dire, ne respecte pas ses engagements, la règle du commerce. Mais s'il y a une maslaha, oui. S'il y a une maslaha, allez, si tu vois qu'il y a quelqu'un qui veut peut-être lui acheter quelque chose, qui va peut-être se faire arnaquer ou escroquer, dans ce cas-là, il y a une maslaha. Dans ce cas-là, tu vas avoir le futur client et tu lui dis. D'accord ? Encore une fois, ça tombe toujours autour de. Ou au jour de la maslaha. Est-ce qu'il y a un intérêt de le faire ou pas? S'il n'y a pas d'intérêt, on ne parle pas. S'il y a un intérêt pour préserver un musulman du mal de la personne, alhamdoulilah, c'est permis, bien sûr. Ça peut même être obligatoire.
même devenir obligatoire. Parce que l'honneur du musulman, les biens du musulman, le sang du musulman, c'est quelque chose qui est sacré. Sacré. D'accord. Donc, premièrement, on va parler de l'hypocrisie, un nifaq. L'hypocrisie, un nifaq. Donc, lorsque ce mot est utilisé, mes frères, sachez qu'il va contenir que des mauvais sens, que des mauvaises connotations. C'est que négatif. Un nifaq, l'hypocrisie, c'est uniquement négatif. D'accord ? Il n'y a pas d'hypocrisie bonne. D'accord ? Il n'y a pas de bonne hypocrisie. Il n'y a pas d'hypocrisie louable ou recommandée. Jayid, c'est pour cela que les ulama, les savants du comportement, ils ont défini l'hypocrisie comme étant le fait de montrer le bien, de manifester le bien afin de parvenir à un mal. C'est ça l'hypocrisie. Tu montres le bien pour obtenir quelque chose de mal, pour faire du mal. Donc ça, c'est jamais bien ça. Montrer le bien pour obtenir du mal, c'est jamais bien. Alors qu'on a dit, Al-Mudarat, c'est montrer le bien pour parvenir au bien. Montrer du bien pour obtenir un bien, une maslaha. Alors que le nifaq, dans l'hypocrisie, c'est montrer le bien pour obtenir un mal, pour faire du mal. Voilà. Donc l'hypocrite, lui, ne cherche en aucun cas al-khayr, le bien, faire du bien. L'hypocrite, c'est le munafiq, il ne cherche pas à faire le bien. Au contraire, il ne cherche qu'à semer, à faire du mal, à semer le mal, à trahir, à tromper, à escroquer, hein, à arnaquer, à causer du tort aux gens. Et pour parvenir à ces choses-là, à ces objectifs diaboliques, qu'est-ce qu'il fait? Il va montrer le khayr, il va montrer le bien. Il va se faire passer pour quelqu'un de bien. Il va se faire passer pour un bon commerçant, pour quelqu'un qui craint Allah tabaraka wa ta'ala. Il va peut-être se laisser pousser la barbe, mettre le qamis, la chéchia, afin de mieux escroquer les gens, afin de mieux attirer les musulmans de manière générale, qui vont du coup peut-être dire lui c'est bon, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un de bien, on peut y aller. Ça c'est l'hypocrite. Ça c'est l'hypocrite. D'accord ? Donc l'hypocrite, lui, il montre le bien pour acquérir le mal ou pour atteindre un mal en mettant l'habit de quoi ? L'habit de la piété, l'habit de la crainte d'Allah, l'habit de l'amour, l'habit de l'affection pour les musulmans, etc. D'ailleurs, هذا هو النفاق. ثانيا, أما المداري فلا يدمر الشر لأحد. المداري فلا يدمر الشر لأحد ولا يسعى في أذية أحد في ظاهر ولا في باطن. المداري لا يدمر ولا يبتن ولا يسعى في أذية الناس, في أذية أحد, لا في ظاهره ولا في باطنه ولا في قلبه, ويريد الخير كله, لا يريد إلا الخير, ولكنه قد يظهر المحبة والمودة والبشر وحسن المعاملة يتألف قلب صاحب الخلق السيء أو ليدفع أذاه عنه أو ليدفع أذاه عنه وعن غيره من الناس, جيد, ولكن دون أن يوافقه على باطله أو يعاونه عليه بالقول بالفعل. Deuxièmement, المدارات. المدارات خاتف الله. Celui qui fait preuve de مدارات, on dit qu'il est مداري. D'accord? المداري. المداري, lui, il ne cache en aucun cas une ruse ou une mauvaise intention ou un mal ou une volonté de faire du mal. Jamais, le مداري ne veut pas faire du mal. Au contraire, جيد, il ne cache en lui aucun mal pour quiconque, ni en apparence, bien sûr, parce qu'on a dit en apparence, il montre le bien, le Moudari, mais ni au fond de lui, même au fond de lui, il veut du bien. Même au fond de lui, il désire du bien, Jayid. Mais donc il va montrer un certain amour, une certaine peut-être proximité, une affection physique au niveau de son visage, au niveau de son visage, au niveau de ses attitudes et son comportement, dans le but de quoi ? Eh bien de gagner le cœur de celui qui est mauvais. Dans le but de gagner le cœur ou de lier le cœur de celui qui est mauvais et qui a un mauvais comportement.
ou, comme on a dit tout à l'heure, afin de repousser son mal. Afin de repousser son mal de soi et des musulmans et des gens de manière générale. Mais tout cela doit être fait sans que la personne fasse comprendre qu'elle est d'accord avec elle, comme on a dit, ou qu'elle est d'accord avec son égarement, hein, ou son innovation, ou sa mécréance, vous avez dit, ou son ignorance. Non, jamais. Jamais. Al-Mudari, il adopte cette attitude-là, mais jamais il va dire à la personne, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec ce que tu fais ou avec ce que tu dis. Non, ou qu'elle l'aide dans ça aussi. Non, elle ne l'aide pas. Elle ne va pas être la cause qu'elle propage son égarement. Elle ne va pas lui dire, pour être gentil avec elle, ben viens, je vais t'aider à ouvrir, je sais pas moi, un site internet ou une chaîne YouTube où tu vas pouvoir parler librement, tu vas pouvoir faire des cours en live, etc. Où je vais t'aider à filmer ton cours. L'année de la vie, subhanallah. Donc ça a ses limites. La limite, elle est au niveau de ton attitude, alhamdoulilah, tu montres une gentillesse, tu montres une politesse, mais surtout, ne jamais faire croire à la personne que tu es d'accord avec le mensonge, le faux ou l'innovation, ou la voie égarée dans laquelle elle se trouve. Voilà. Donc à ce moment-là, lorsque tu arrives à, on va dire, à un point où tu es obligé, où tu vas rentrer dans ce sujet-là en question, eh bien, tu vas devoir lui dire la vérité en face, normal, sans honte, sans rien, avec sagesse, avec toujours une gentillesse, etc. Mais tu vas lui dire, voilà, je t'ai entendu dire telle chose sur Allah ta'ala, ou sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sache que c'est contraire à ce que nos savants nous ont appris, nous ont enseigné, et je te conseille d'apprendre et de chercher, de faire des recherches afin de te réformer. Qu'Allah te guide, etc. Alhamdulillah. Et si la personne elle a fait les éloges de soi-disant des savants, il y a des mises en garde contre eux. Et que la personne a fait ses éloges. Ça peut être une parole pour lui reprocher. Dire, je t'ai entendu faire les éloges de telle personne, il y a des... Oui, bien sûr, quelqu'un par exemple qui a fait les éloges de, je sais pas moi, Al-Qardawi. Al-Qardawi. Taïb. Donc là, on a dit, Mimbab al-Mudara, tu peux y aller avoir comportement gentil pour toi, etc. Mais il y en a ne jamais lui faire croire que tu es d'accord avec les éloges qu'elle a fait pour El Qardawi, par exemple. D'accord. Et le moment venu, tu vas lui dire. Le moment venu, si jamais devant toi, elle est en face de toi, elle dit El Qardawi, mashallah, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit et tout, là tu l'arrêtes, tu te dis non, attends, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. El Qardawi, il a dit des choses très graves. Sur Allah, il a autorisé le fait de ce attentat suicide. Tu vois? Il a autorisé les attentats suicides. Il a dit des choses sur Allah. Il a dit très très grave, gravissime. Parce que là, tu vas lui dire. Tu dois lui dire. Science, t'es parce qu'il n'a pas de science. Non, mais là. Il a dit, toi, tu sais qu'elle a été mise en garde, par exemple. Une personne, elle a été mise en garde. D'accord? La personne qui est en face de toi, elle fait ses éloges de la personne. Tu ne peux pas te taire. D'accord ? Donc le minimum que tu puisses faire, c'est, attention, il y a des mises en garde sur la personne, des mises en garde très graves. Maintenant, elle dit, je ne suis pas là pour débattre de ça avec toi, mais je te renvoie au grand savant. Je te renvoie au grand savant. Les audios sont disponibles. Ils sont disponibles sur Internet, ils sont traduits et tout. On a là, tu as fait ton travail. Parce qu'avant de la science, c'est quoi? Avant de la science, ça sert à discuter et à débattre. Moi, je ne suis pas là pour discuter, pour débattre. Je suis là pour t'informer de quelque chose. Maintenant, à toi de faire ta recherche. Ta recherche, je te partage l'information.
Parce que si tu ne lui dis pas, tu rentres dans le mudahana. Tu rentres dans le mudahana. Tu auras délaissé une obligation de la religion. Pourquoi? Parce que ben, pour quelque chose de la dunya, tu n'as pas envie que. Tu n'as pas envie que la personne prenne le dessus sur toi, ou tu n'as pas envie de te faire humilier, ou tu n'as pas envie. Pas d'humiliation, tu partages, c'est tout. Classe. J'ai eu. Si jamais on lui reproche quelque chose, ça, on peut avoir un plus grand mal, genre il peut se passer, je sais pas, elle peut s'énerver, elle peut nous frapper ou quoi que ce soit. Oui, ça aussi. Si lui reprocher, c'est-à-dire lui dire la vérité en face. Si dire la vérité en face, tu sais que la personne peut te frapper, te faire du mal physiquement. Donc là, il y a une mafsada. Il y a la mafsada qui est peut-être plus forte, plus grande que la maslaha. Dans ce cas-là, tu t'abstiens. Tu t'abstiens. Je voulais dire, pendant le moment du Jumu'ah, à la fin, quand l'imam il fait des doigts et que les frères en face de lui, ils tous lèvent les mains comme ça, il faut le faire ou pas? Faire quoi? Il faut lever les mains, tu veux dire? Et que tous les fidèles, pendant que l'imam. Non, toi, tu sais que c'est pas bien de le faire. Tu sais que c'est pas un moment où les compagnons le faisaient. Tu le fais pas. C'est pour ça que j'ai jamais vu aucun imam dire aux fidèles, il faut pas, pendant que je fais les doigts, il faut pas lever les. Non, il y en a qui le disent. Ah d'accord. Il y en a qui le disent. Mm. Et ça encore une fois, c'est bon, là c'est un peu hors sujet. Je te cache pas, c'est un peu hors sujet. Mm. Mais parce que la hikma, la sagesse, c'est le fait de dire les choses au bon moment aussi. Tu vois, la vérité, elle n'est pas tout le temps bonne à dire à tout moment, à n'importe quelle situation, n'importe quel, tu vois. Il faut attendre toujours le moment propice pour dire la vérité. Donc on disait, Al-Mudarat, c'est ça, Al-Mudarat. Celui qui fait preuve de Mudarat, il ne veut que le bien, lui. Il ne veut que le bien. Il montre le bien, et en lui, il veut le bien aussi, au fond de lui. Alors que le Munafiq, l'hypocrite, lui, il montre le bien, mais au fond de lui, il veut le mal. Le chat. Mais Al-Mudarat, on a dit, n'empêche pas de dire la vérité quand il faut dire la vérité. D'accord, de réfuter le faux. Walhamdulillah. Qala ibn Muflih al-Hanbali rahimahullah. Qila li ibn Aqil fi fununihi asma'u wasiyat Allah idfa' billati hiya ahsan. Idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu 'adawa ka'annahu waliyyun hamim. Wa asma'u an-nas ya'udduna من يظهر خلاف ما يبطن منافقا فكيف لي بطاعة الله وتخلصي من النفاق كيف لي يعني بطاعة الله وبتخلص من النفاق a été rapporté par le grand savant Ibn Muflih al-Hanbali qui a dit dans son livre Al-Funun ou plutôt Ibn Aqil dans son livre Al-Funun, il a dit, Ibn Aqil, j'entends la recommandation d'Allah, Tabarak wa ta'ala, dans la sourate Fussilat. Dans le sens, Allah Tabarak wa ta'ala, il dit, repousse le mal par ce qui est meilleur. Repousse le mal, yani, par ce qui est meilleur, par le bien. Il fait bil ladiyya ahsan. Fa'idha alladhi baynaka wa baynahu adawa. Et tu verras que celui qui avait de l'animosité pour toi, se transformera en un ami chaleureux. Donc Allah tabaraka wa ta'ala dans cette ayah, clairement il nous dit, repousse le mal parce qu'il est meilleur par le bien. Et en faisant ça, eh bien ton ennemi, celui qui avait de la haine pour toi, il aura de l'amour. Il aura de l'amour pour toi. Il sera pour toi un ami. Donc, Ibn Aqil dit, j'ai entendu ce verset d'Allah, cette recommandation de la part d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et à côté, j'entends les gens dire que celui qui montre en apparence le contraire de ce qu'il a à l'intérieur, c'est un hypocrite. Celui qui montre en apparence ce qu'il a à l'intérieur, le contraire de ce qu'il a au fond de lui, c'est un munafiq. Donc comment puis-je obéir à Allah Ta'ala, ben justement en adoptant un comportement peut-être contraire
à ce que je ressens dans mon cœur face à quelqu'un, dans le but justement d'en faire un ami chaleureux et de lier son cœur et d'adoucir son cœur à mon égard, et en même temps de me débarrasser de l'hypocrisie sans être hypocrite. Faire ça mais sans être hypocrite, comment je fais? Donc on comprend par là que cet homme ne faisait pas donc la différence entre al-nifaq, al-mudarat, al-mudahana. Donc il voulait comprendre, il voulait qu'Ibn Aqil lui explique. Alors Ibn Aqil, il lui explique, il lui dit al-nifaq huwa idharu al-jamil wa ibtanu al-qabih. Tudhir al-jamil wa tubtin al-qabih. Tudhir al-khayr wa tubtin ماذا؟ الشر. هذا هو النفاق. وإدمار الشر مع إظهار الخير لإيقاع الشر. لإيقاع الشر والذي تضمنته الآية في سورة فصلت هو إظهار الحسن. إظهار الحسن في مقابلة القبيح. في مقابلة القبيح لاستدعاء الحسن. فخرج من هذه الجملة أن النفاق إبطان الشر وإظهار الخير لإيقاع الشر المضمار، ومن أظهر الجميل والحسن في مقابلة القبيح ليزول الشر، ليزول الشر فليس بمنافق، فليس بمنافق لكنه ينتصلح ينتصلح. Donc il répond Ibn Aqil, il dit l'hypocrisie. L'hypocrisie dont tu as peur de tomber dedans, c'est le fait de montrer le bien, mais en cachant le mal. Tu montres le bien, mais tu caches en vérité le mal. Tu montres que tu veux du bien à la personne, alors qu'au fond de toi, tu lui veux du mal à la personne. C'est ça l'hypocrisie. D'accord ? Donc tu caches ce mal-là, le tort que tu veux faire à la personne, en montrant le bien. En montrant le bien, en espérant que cela l'amène vers quelque chose qui va lui poser des problèmes et lui causer du tort. Ça, c'est l'hypocrisie, a'udhubillah. Alors que le verset de la sourate Fussilat, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous parle de celui qui va montrer le bien, qui va montrer le bien en apparence. Donc, il veut du bien à la personne, Jayid. En retour, du mal qu'on lui fait. Donc lui, il ne veut pas faire de mal. En aucun cas. Ni il montre le mal, ni il cache en lui le mal. Mais il va montrer le bien pour contrer le mal qu'on lui fait. Et fait billadi hiya ahsan. Repousse le mal parce qu'il est le meilleur, par le bien. Et dans un but en plus, dans le but de quoi? De réformer la personne ou de se préserver de son mal. Donc l'istid'a al-hassan. Donc il n'y a que du hassan chez le mudari. Dans le verset de Allah Ta'ala, donc il parle un peu de mudarat. C'est une forme de mudarat. Propose le mal par le bien, jayid, dans un but noble. Dans un but de quoi? Eh bien que la personne revienne vers le droit chemin. Jayid. Donc l'hypocrisie n'est pas la chose dont parle Allah Ta'ala dans le verset. Allah ne parle pas des hypocrites ici. Allah ne te dit pas sois hypocrite. D'accord? Parce que l'hypocrisie, encore une fois, c'est cacher le mal et montrer le bien afin de faire tomber la personne dans le mal. Quant à celui qui montre le bien, le bon comportement, la bonne attitude pour faire face au tort qu'on lui fait, pour faire face au mal qu'on lui fait subir, afin de dissiper le mal en plus. Le but c'est quoi? C'est de dissiper, de faire disparaître son mal. Par exemple, afin de se préserver de son mal, et afin qu'il ne fasse pas la même chose avec les autres. Jayid, c'est ça le musulman, il pense à tout le monde. Il ne pense pas qu'à lui. D'accord? Donc lui, le but c'est de que la personne se réforme, pour pas que plus tard, demain ou quelque temps plus tard, elle fasse le mal qu'elle t'a fait, elle le fasse à d'autres. D'accord? Ou qu'elle aille égarer peut-être d'autres personnes. D'accord? Si c'est quelqu'un qui parle et qui prêche et qui appelle et qui fait des cours et qui fait des séminaires et
qui a des chaînes YouTube et qui a une certaine notoriété, dans ce cas-là, donc tu vas adopter cela afin de préserver les gens de son mal. Alhamdulillah. Donc celui qui fait ça, dans un but qui est noble, c'est pas un munafiq. Tu dis pas de lui c'est un munafiq. C'est pas un hypocrite. Au contraire, c'est quelqu'un qui est muslih. C'est un réformateur lui. Il est muslih. Jayid. Ana tasma ila qawlihi. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ فهذا اكتساب استمالة ودفع عداوة وإطفاء لنيران الحقائد واستنماء الود وإصلاح العقائد فهذا طب المودات واكتساب الرجال اكتساب عقيل le fait de se comporter comme Allah nous le demande de repousser le mal par ce qui est mieux, par le bien, par la bonne attitude, par le bon comportement. Et ainsi, celui qui avait de la haine envers toi, il deviendra un ami chaleureux pour toi. Il dit ça, c'est le profit des gens pieux, le fait de repousser le mal, d'éteindre le feu de la haine, et de faire naître l'amour et de réformer les croyances, ceci est la médecine des gens pieux. La médecine des gens pieux, c'est quoi? C'est le bon comportement. La médecine des gens pieux, c'est le bon comportement. Le remède des gens bien, des musulmans, c'est le bon comportement. Oktisa pour le djel et le gain des hommes, le profit des hommes. Walidalika kanat al-mudarat min al-akhlaq al-hasana al-fadila. وذكر العلماء فيها من الآثار والأقوال شيء كثير. قال ابن بطال رحمه الله: المضارات من أخلاق المؤمنين، وهي خفض الجناح للناس، ولين الكلمة، وترك الإغلاظ لهم في القول، وذلك من أقوى أسباب الألفة. يجيب ابن بطال رحمه الله تعالى par rapport à المضارات. Il dit que le mudarat fait partie des comportements des croyants qui consistent à se montrer humble devant les gens, à avoir une douceur dans les paroles, à renoncer à toute forme de dureté, de renoncer à toute forme de rudesse ou de dureté, que ce soit dans le visage, dans le comportement, dans les paroles, dans les attitudes. Car il dit ceci fait partie des causes les plus fortes d'union et d'amour entre les personnes. طيب قال البخاري رحمه الله تعالى ويذكر عن ابي الدرداء رضي الله عنه ان لنكشر في وجوه اقوام وإن قلوبنا تلعنهم فمعنى لنكشر من الكشر والكشر هو ظهور الأسنان وأكثر ما يكون عند الضحك تظهر أسنانك وهذا يسمى كشر جيد وهو المراد هنا في آثار ابن أبي الدرداء قال إنا لنكشر أي إنا لنضحك في وجوه أقوام وإن قلوبنا تلعنهم هذا مضارعة هذه مضارعة il dit l'imam al-Bukhari رحمه الله تعالى il a rapporté de Abu Darda رضي الله عنه qui a dit nous faisions des sourires en face de certaines personnes. On souriait, on faisait des sourires, en face de certains, alors que nos cœurs les maudissaient. Donc ça veut dire que tu peux avoir bien sûr de la détestation envers quelqu'un. D'accord ? Quelqu'un qui se comporte mal, qui désobéit à Allah tabaraka wa ta'ala, en public, en privé, ou qui appelle les gens à
des choses qui vont salir l'image de l'islam, qui vont salir l'image du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui va appeler les gens à ça, bien sûr, on déteste ces gens-là. On les déteste. Jayid ? Mais malgré ça, si une maslaha l'exige, eh bien, tu peux leur faire des sourires. Tu peux avoir un beau visage en les croisant, en passant le salam, Jayid, alors que ton cœur les déteste. Alors que ton cœur les déteste. Mais encore une fois, il y a des limites. Des limites, d'accord ? Donc, parce que s'il faut lui dire la vérité, il faudra lui dire la vérité. D'accord ? On parle là, on parle juste de l'attitude. On parle du visage, on parle du comportement. Wadah ? قال ابن مفلح الحنبلي رحمه الله وقول أبي الدرداء هذا ليس فيه موافقة على محرم أبدا ولا في كلام وإنما فيه طلاقة الوجه خاصة للمصلحة إن كانت يعني هناك مصلحة الحمد لله تظهر يعني وجها جميلا وجها يعني مبتسم وهكذا وهو معنى ما في الصحيحين وغيره معنى عائشة رضي الله عنها يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو من تركه الناس اتقاء فحشه اتقاء فحشه il dit Ibn Muflih al-Hanbali par rapport justement à cette parole d'Abu Darda il dit ce qu'il a dit à Abu Darda lorsqu'il dit qu'on faisait sourire aux gens alors que nos cœurs les maudissaient il dit ça ne veut pas dire en aucun cas qu'il était d'accord avec le haram ou avec le mal que ces gens-là faisaient, ça ne veut pas dire ça. D'accord ? Ni dans ce qu'ils disent, ni au fond de lui, non. Mais le fait qu'il montre un visage, un beau visage, c'est dans un but de réforme, de islah. Mimbab al-islah, une maslaha, un intérêt religieux à faire ça. Un intérêt religieux à faire cela. Et c'est le sens même de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'on a lu tout à l'heure lorsqu'il dit « Ô Aïcha, les pires des gens auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala le jour de la résurrection sont ceux que les gens vont délaisser afin de se préserver de leur mal. » Afin de se préserver de leur mal. Taïb ? Donc il y a des gens, Yannick, tu n'as pas envie de rester avec eux. Tu n'as pas envie de les croiser, tu n'as pas envie de les voir. D'accord ? Et tu vas même faire des causes pour éviter de le faire, pour te préserver de leur mal. Pour te préserver de leur mal. Tu n'as pas envie, Yannick, qu'ils soient avec toi, peut-être dans une pièce. Même le fait que tu sois avec eux dans la même pièce, eh bien, tu n'as pas envie de ça. Ça te met mal à l'aise. Yannick, parce que tu sais que Yannick est fille charme. Et dans ce cas-là, alhamdoulilah, tu as le droit de faire preuve de mudarat pour, en espérant qu'il y ait une maslaha derrière bi'idhnillah azza wa jalla. Mais, voilà, n'oubliez pas que ces gens-là sont les pires des gens auprès d'Allah yawm al-qiyamah. Sont les pires. Ceux que les gens vont délaisser, ceux que les gens ils vont s'écarter afin de se protéger de eux, là c'est les pires auprès d'Allah tabarak wa ta'ala, ou parmi les pires. Wa qala fi sharh muslim ghayrihi فيه مدارات من يتقى فحشه ولم يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ولا أثنى عليه في وجهه ولا في قفاه إنما تألفه شيء أو بشيء من الدنيا مع لين الكلام d'accord donc les مدارات comme l'a expliqué ici Ibn Muflih c'est afin de se préserver de son mal mais encore une fois cela ne doit pas t'amener à faire les éloges de la personne. D'accord ? C'est pas ça le mudarat. Le mudarat, c'est adopter une attitude. Une attitude. Mais tu n'as pas le droit de faire les éloges de la personne verbalement. Le prophète n'a pas fait cela. Au contraire, il a critiqué la personne. Il l'a critiqué. Et lorsqu'elle est entrée, jamais il lui a dit « Oh, t'es quelqu'un de bien, t'es quelqu'un de machin. » Il n'a pas dit ça. Il l'a accueilli avec un sourire, c'est tout. Ils ont discuté, il est parti. D'accord ? Donc le mudarat ne doit pas t'amener à faire ça. Parce que là, si tu fais ça, tu vas sortir du mudarat, tu vas rentrer dans le mudahana. Tu rentreras dans le mudahana ou dans le nifar, l'hypocrisie. Car tu ne lui rends pas service en faisant ça. Tu ne rends pas service à quelqu'un
yani, qui est dans le fond, et pour qui tu vas dire que tu es quelqu'un de bien, ou tu es quelqu'un de, qui est sur le haq. Tu ne le rends pas service, tu l'enfonces encore plus. Celui qui veut du bien à quelqu'un, il lui dit, il lui dit la vérité. Jaïd, donc tu ne fais pas les éloges de la personne, ni en face, ni dans son dos. Jaïd, mais tu vas adopter donc une attitude, que ce soit à travers un sourire, à travers une gentillesse, une politesse, des paroles douces, une façon de parler, une sagesse, dans un but bien sûr. Non. ومن المهم أيضا التفريق بين المداراة المحمودة وبين المداهنة الممنوعة. فقد يخلط الناس بينهما، يخلط بين المداراة وبين المداهنة في حمى اختلاط المفاهيم والأخلاق في هذه الأزمان. Donc il faut que l'on comprenne et qu'on fasse la différence entre les deux, entre Al-Mudarat et Al-Mudahana. Car beaucoup de gens, on a dit, mélanger entre les deux et, surtout à notre époque, ils n'arrivent pas à distinguer entre justement ces deux comportements-là et accusent parfois à tort ou font les éloges parfois aussi à tort de certains comportements. Jaïd. Qal Hafid ibn Hajar, rahimahullah, wa dhanna ba'duhum an al-Mudarat hiya al-Mudahana. ظن بعض أن المضارعة هي المداهنة فهذا غلط لأن المضارعة مندوب إليها المداهنة محرمة والفرق عن المداهنة فسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه والمضارعة هي الرفق الرفق بالجاهل في التعليل وبالفاسق في النهي عن فعله وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه والإنكار عليه باللطف القول والفعل وسيما إذا واحتج إلى تألفه ونحو ذلك. نعم. يجي ابن حجر رحمه الله تعالى donc beaucoup de gens n'arrivent pas à faire la différence entre المدارة والمداهنة. Et certains croient que المدارة c'est la mudahana, ça c'est une erreur. Al-mudara, c'est une chose qui est recommandée. C'est une chose qui est recommandée, qu'Allah il aime. Alors qu'al-mudahana, c'est interdit. Al-mudahana, Allah il déteste mudahana. Donc la différence c'est quoi? Comme ils ont dit les ulama, al-mudahana, on a dit tout à l'heure, al-mudahana, c'est quoi? C'est traiter quelqu'un qui est dans le faux, qui est mauvais, en lui montrant qu'on est d'accord avec lui. En montrant en apparence qu'on est d'accord avec la personne, on est d'accord avec le faux dans lequel elle se trouve. Donc, sans réfuter ce faux-là. Ça, c'est mudahana, c'est interdit. Alors que le mudarat, c'est uniquement le fait d'être gentil. Être gentil, être poli, d'être doux avec un ignorant quand tu vas lui enseigner. Donc, quand tu vas enseigner à un ignorant, eh bien, tu vas montrer une gentillesse. Une gentillesse parfois peut-être supérieure à celle que tu as d'habitude. Jaïd, quand tu vas parler avec quelqu'un qui est ignorant, parce que tu veux lui apprendre, tu veux lui enseigner, tu veux l'éduquer. Comme on ferait avec un enfant, on va se montrer très gentil, très doux, très patient. Jaïd, c'est ça le mudara, c'est ça, c'est tout. C'est montrer une gentillesse quand tu vas enseigner à quelqu'un. C'est montrer une douceur quand tu vas dire à quelqu'un qui désobéit à Allah, et bien quand tu vas lui interdire, tu vas lui dire. Il faut que tu pries tes prières à l'heure. Les cinq prières, c'est un des piliers de l'islam. Tu fasses attention, donc tu vas le faire avec gentillesse. Des mudarat, ça la mudarat. Donc tu vas délaisser toute forme de dureté ou de rudesse quand tu vas conseiller quelqu'un. Et si tu dois encore une fois réfuter la personne, si tu dois lui montrer le faux, tu vas le faire, mais aussi avec douceur. Avec gentillesse, à travers des paroles douces, avec une façon de parler douce, surtout lorsque la situation l'exige, d'accord? Surtout lorsque la situation l'exige. Et on vient à une époque où la dureté, ne fonctionne plus. Là, aujourd'hui, en 2024, la dureté, ne marche qu'avec
des rares personnes, mais la grande majorité, la dureté, ça ne marche pas avec eux. La dureté, ça ne marche pas avec eux. D'ailleurs, même si la personne elle est dans l'égarement total, si tu lui montres ne serait-ce qu'un visage fermé, il n'y a aucun résultat. Il n'y aura aucun résultat. Un visage fermé ou sans sourire, ou etc., ça ne marchera jamais avec la personne. Ça ne marchera jamais. Parce que déjà, avant d'arriver, sache que dans la plupart des cas, elle a déjà des préjugés. Elle a déjà des préjugés. Et les préjugés aujourd'hui, c'est quoi ? Ashab al-liha. Ashab al-liha, mutashaddid. Sahou la. Shaddidoun. Donc là, ça, c'est des préjugés. Si le fait d'adopter une attitude, une dureté qui va faire que derrière la personne va s'éloigner encore plus de la vérité, tu es responsable. Tu es responsable. Est-ce que c'est clair? Alhamdulillah. فمثل هذه المجاملة بين الأصحاب بين الأصدقاء تكون بسبب المقام فقط درعا لفتنة وحفاظا لمودة. أما أن تكون المجاملة شعار تلك الصداقة فذلك تشويه لجميع معاني الأخوة الصادقة. Après, attention les frères, entre amis, d'accord, entre amis, tu peux faire preuve de mudarat entre amis, et de temps en temps, bien sûr, selon les contextes, selon les événements, et des choses, tu vas fermer les yeux et tu vas adopter un comportement, une gentillesse, une politesse, afin de réformer la personne, afin de maintenir un lien amical, une amitié entre toi et une personne. Voyez, ça on le fait tout le temps, on le fait, alhamdoulilah, avec nos proches, avec nos amis, etc., etc. Mais il faut pas que ce soit le quotidien. Faut pas que ce soit le quotidien non plus, parce que la fraternité, la vraie fraternité, c'est pas ça. La vraie fraternité, c'est celui avec qui tu vas rester et avec lequel tu peux rester nature. C'est ça la vraie amitié. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui va se comporter avec toi, yani sans forcer. Sinon, c'est pas un ami. Sinon, si tu restes avec quelqu'un et du matin au soir, faut que tu te forces à faire une chose que tu n'as pas l'habitude de faire, là, c'est pas un ami. D'accord ? Un vrai ami, un sadr, c'est quelqu'un, tu te forces pas à rester avec elle. Alhamdulillah, tu restes. Tu peux rester comme tu es, tu ne vas pas être gentil plus que d'habitude ou moins gentil que d'habitude, non. Tu vas rester comme tu es d'habitude, au quotidien. Mais de temps en temps, tu as le droit, bien sûr. De temps en temps, parce qu'il y a une situation qui existe, tu peux faire preuve de modarat avec un ami. Mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Kana Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq yaqoul أثقل إخواني علي من يتكلف لي أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه وأتحفظ منه. On finira sur ça, Inch'Allah Ta'ala. Il dit Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq, qui est l'un des descendants de Abu Bakr al-Siddiq et Ali ibn Abi Talib, il disait mes amis ou mes frères, Allah tabarak wa ta'ala, les plus lourds pour moi. Mes amis ou mes frères les plus lourds, avec qui je ressentais le plus de lourdeur à rester avec eux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils étaient avec moi, ils se forçaient. Ils se forçaient. Et avec lesquels je devais me protéger d'eux, de leur mal. Tu dois donc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les gens qui, quand ils sont avec toi, ils ne vont pas adopter un comportement habituel qu'ils ont d'habitude avec les autres, avec tout le monde. Parce que quand ils sont avec toi, ils vont être plus obéissants d'Allah, plus polis. Ils vont peut-être ne pas prononcer certains mots vulgaires ou grossiers. Parce que tu es là. Mais si tu n'es pas là, c'est des gens grossiers, par exemple. D'accord ? Quand ils sont avec leurs collègues, leurs vrais collègues, ils sont grossiers. Ils sont grossiers, ils ont une attitude mauvaise. Mais quand il est avec toi, là, il se force, tu vois. Il se force à rester poli, gentil, timide, il va faire attention à ce qu'il dit, etc. Et toi aussi, toi, quand tu vas rester avec eux,
tu vas te forcer à quoi? Eh bien, faire attention à ce qu'il ne te fasse pas du mal. Tu vas faire attention, tu vas être sur tes gardes, tu vas être prudent à ce que tu vas dire. Tu vas pas lui dire ce que tu dirais avec un ami proche, parce que tu sais qu'il peut rapporter ta parole à quelqu'un et faire de la namima ou de la riba sur toi et faire des choses. Vous voyez? Il dit ça, c'est les amis les plus lourds qui soient. Les plus lourds. Non, c'est vrai, il y en a quand ils vont rester avec, je sais pas, quelqu'un, avec un imam, eh ben, tu vois, il va vraiment se retenir. Il va adopter une attitude. Hein? Mais quand tu vas rester avec ses camarades, il se lâche. Il se lâche. Et ça, tu le vois. Tu le vois. Des fois, tu croises des gens, il y en a un, tu te dis, oh, c'est qui lui? Et quand il est avec moi, il n'est pas comme ça. Et quand tu le vois de loin, il se lâche avec ses amis, et c'est plus le même. Jaïd? Ouais, Hakan, alhamdulillah. On fait différence à celle que le respect qu'on donne à la personne. Non? Le respect. Quand il est. On est tous. Ouais. Oui, mais. Quand on n'a pas dit que c'était mal. Une personne un peu plus âgée, etc. Oui, oui. Il y a forcément une attitude. Une retenue. On n'a pas dit que c'était mal. On a dit, Jaafar, de Mohamed, il dit c'est les gens les plus lourds pour moi. Même lui, il ressent la lourdeur quand il est, parce qu'il se sent gêné en fait. Quand tu sens que la personne elle se force à adopter une attitude avec toi, ben ça te gêne aussi. Parce que tu sens que c'est pas naturel chez elle. Tu sens que c'est forcé. Et quand c'est forcé, c'est gênant en fait. Tout le temps, quand c'est forcé, c'est gênant. Dès que c'est. Takalouf. Tu sens qu'il est takalouf. D'accord? Quand c'est pas naturel, quand c'est forcé, c'est gênant. Pour lui comme pour toi. Et c'est pour ça qu'il dit. Il dit ça, il dit, ces gens-là, c'est les plus beaux pour moi. Et même lui doit faire un effort pour pas justement y aller peut-être fermer les yeux sur certains trucs, ne pas tout ne pas relever chaque défaut qu'il a, etc. Donc dans les deux côtés, ça doit faire un effort. Voilà. Donc les meilleurs amis, ce sont avec qui tu es léger avec eux. Ça, c'est les meilleurs amis. Avec qui tu peux te comporter normalement, sans te poser de questions. Alhamdulillah. Ça, c'est les amis les plus légers. Et tu en as des fois, tu restes avec eux pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, alhamdulillah, tu ressens aucune gêne. Des fois, des gens, tu restes avec eux 10 minutes, c'est lourd, c'est vrai ou pas? 10 minutes, c'est lourd. Parce que même, il y a quoi? Tu te calmes, tu te forces. Et lui aussi, il se force. Alhamdulillah. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Al-maru ala dini khalili. Al-maru ala dini khalili. Faliandu man ta'khuduna. Il dit la personne, elle est sur la voie ou la religion de son ami. Donc chacun choisisse bien son ami. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu